Parce que écrire, on ne sait pas quand on va écrire, on ne sait pas quand on va publier, on ne sait pas si les gens vont avoir envie d'acheter le livre. Donc c'est tellement aléatoire qu'il faut avoir... Moi, je trouve que quand quelqu'un vient me trouver, un jeune, en disant « je veux devenir écrivain », je lui dis « oui, quel est votre métier ?» Il faut avoir un métier de boulanger qui vous rapporte le pain. Donc Michel, vous avez raison, si vous avez un second métier, gardez-le. Quel second métier vous conseillez pour les gens? Parce qu'il faut réussir à écrire quand on rentre, quand on est enseignant et qu'on rentre, par exemple, après 28 heures de cours, on peut avoir du mal à avoir la disponibilité pour écrire. Vous savez, mon père en écriture, qui était l'écrivain Jean Cayrol, me disait « il faut voler le temps de l'écriture ». Si vous avez tout d'un coup, si vous êtes à la retraite et que vous avez devant vous cette immense plage de vide, vous dites « ah, c'est merveilleux, je vais pouvoir écrire toute la journée », vous allez faire de la sous-littérature. Il faut se battre pour écrire, il faut souffrir, mais vraiment, il faut s'écorcher pour écrire. Donc, si vous n'avez qu'une heure par jour pour écrire, et que cette heure, même on vous la grignote, c'est très bien, c'est comme ça que vous ferez un chef-d'œuvre.